Alors, sinon son froc, hein? Ta gueule! Vos gueules, on y est presque!
Saint-Louis, fais ce que t'as à faire. Avec un bras en moins, je suis d'aucune utilité. Mais avant, dis-moi un truc. Tu le veux quoi, ce bébé? Tête de vermine, il existe une prophétie vieille de 1000 ans que seul un vieil ermite et moi connaissons. Il prédit l'arrivée de l'être élu, celui qui vaincra les forces du mal et réunifiera les peuples pour construire une nouvelle civilisation. L'enfant est né le jour et l'heure prédit par la prophétie. Il est l'être élu. C'est quoi tes conneries? Puis qu'est-ce que tu veux lui faire à l'enfant? Tu veux le tuer avant qu'il accomplisse sa mission? Le naufrage de l'Espéranza penche en notre faveur. J'aime bien ce monde tel qu'il est. J'ai tout. J'ai les armes, le pouvoir, les femmes. J'aime voir la terreur sur les visages. Réunifier les mondes me fait vomir. Mais la prophétie dit aussi une chose que même le vieil ermite ignore. Et c'est quoi? Que celui qui tuera et boira le sang du bébé le jour de sa 3e lune sera immortel et invincible. Je récupérerai le bébé et je régnerai sur le monde. Tu me déçois, Carlos. Je croyais en toi. Tu m'as été fidèle. Je te donne donc le choix. Choisir quoi? Tu as le droit de choisir comment tu vas mourir. Capitaine!